Octopus nous a trempés jusqu'aux os. Trempés? Non! L'eau a abîmé la carte que j'avais faite pour ma mère. Maintenant, j'ai même plus de cadeaux à lui offrir. Et pire, Octopus et Cal nous ont filé entre les doigts. Vous aviez raison, il ne fallait pas que je parte à sa poursuite toute seule. Ne t'inquiète pas, Gwen, on est avec toi. Oui, on va se serrer les coudes et contrer le plan d'Octopus tous ensemble. Vous avez raison, merci les garçons. Bon alors, réfléchissons. Octopus a réussi à s'évader de prison. Donc avec un peu de chance, elle a pu laisser des indices dans sa cellule. Bon raisonnement, bravo. Alors c'est parti l'équipe, lance-toi en action. Nous avons déjà cherché ici. Mais vous trouverez peut-être quelque chose qu'on a raté. Merci, lieutenant Stacy. Nous allons jeter un coup d'œil. Aucun indice sous le lit. Tout est parfaitement normal de mon côté aussi. Hé, c'est quoi ça? J'aperçois une griffure sur le mur. Et la brique bouge. Regardez ça, il y a quelque chose ici. Ça ressemble à une carte. Docteur Octopus a dû travailler sur son plan machiavélique ici et l'a laissé dans sa cachette. Oh, beau travail d'enquêtrice, Ghostpeeder. Merci. Ça représente quoi, ce schéma? J'ai l'impression que ce sont des canalisations. On dirait le schéma du réseau de distribution d'eau. Tous ces tuyaux approvisionnent la ville en eau. Regardez, il y a des tuyaux qui mènent dans cette partie. Avec des sapins, une fontaine et un étang. C'est le parc! Justement, avant que vous arriviez, Octopus a dit qu'elle voulait gâcher la journée de la fête des mères. Et elle a ajouté que tout le monde se retrouverait sous l'eau. Tout le monde, oui. Et les mamans aussi. Attendez, vous parlez du pique-nique de la fête des mères? Celui qui a lieu au parc? C'est ça. Elle compte sûrement provoquer une grosse inondation. Allons-y, il faut qu'on l'en empêche. Pendant que vous cherchez Octopus, je m'occupe de mettre tous les gens qui sont au parc en lieu sûr. Merci, lieutenant Stacy. Ha! Ça, c'est à moi! Comment t'es arrivée jusqu'ici? Une bonne batteuse a le sens du tempo. Et il se trouve que je suis une très bonne batteuse. Tu peux garder ton tambour. Mais ça, c'est mon octo-gadget! Hey! Par ailleurs, tu oublies que tes amis sont toujours sous mon contrôle. Allez, les bestioles! Octopus a dit... Arrêtez-la! À ton avis, Spin, on devrait se mettre de quel côté? Hein? Eh bien... Ghosty est une super héroïne et une super batteuse, alors je suis de son côté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quoi? Vous avez besoin d'entendre à nouveau mon hypnorythme. Oh, zut, coup de tambour. Vous avez peut-être rétabli votre équipe, mais moi j'ai toujours mes fans hypnotisés prêts à suivre mes ordres. Obéir au docteur Octopus. Obéir au docteur Octopus. Mais pour longtemps. Je pense qu'il est temps de les faire sortir de ton hypnorythme avec mon nouveau speeder-rythme. J'en profite pour te confisquer ça. Hé, hey, rends-moi ça, c'est à moi. Te mêle pas de ça, petit robot. On dirait que t'es plus dans le rythme, Octopus. Débarrasser la scène d'Octopus. Oui, faisons-le. Ah, tu as gâché mon plan. Joli travail, les copains. La ville est libérée pour de bon de l'hypnorythme du docteur Octopus. Maintenant, allons remettre cette caisse claire à sa place. Continue! Oh ouais! Tout le monde adore quand Gwen joue de la batterie! Abonne-toi pour découvrir plus de vidéos et reste sur Disney Junior pour regarder tes émissions préférées.